Allez, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte, et comme vous le voyez à l'écran, nous sommes sur Deathbound. Le descriptif nous dit que c'est un RPG d'action dans un monde où foi et science s'affrontent. Absorbez les essences des guerriers qui ont péri au combat pour exploiter leur pouvoir et leurs capacités. Survivez dans une réalité brutale où la vie et la mort n'ont jamais été aussi conflictuelles. Le jeu est prévu pour 2024 sans plus de précision, il est purement solo, il sera dispo en français, et là nous sommes sur une version démo qui elle n'est dispo, eh bien malheureusement qu'en anglais, mais ça ne va pas nous arrêter et on va voir un petit peu du coup ce qu'il en est. J'ai branché une manette pour jouer à ce jeu parce que c'était conseillé, mais c'est aussi jouable le clavier souris. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, comment ça se joue? Interact, ok, dodge là, quick morph, consume les attaques sur les deux gâchettes là, blocage est là, ok, c'est assez classique. Ah, il y a le type B. Le type B change quoi? Oui, non, c'est très bien le type A. Death, Lady of Men, Lady of the True Faith and of the True Path of those who breathe, hear my clamor. Give us thine blessing. Give us thine righteousness. Give us thine peace at the end of our journey. Only thine word is true. Only thine church is the path. Thou art the end, and in being the end, thou art the beginning. O Lady, I beg of thee, give us thine protection today, that we might make thee an offer of 1,000 infidels cut down by our swords. Postpone today our inevitable end, so that our life becomes an instrument of death. By the breath, by the war, by the peace. Ok, petite mise dans l'ambiance. Merci de jouer à la démo, on est sur une version pré-alpha, attention, les ennemis, les boss, la difficulté, tout ça, ça peut changer, vous avez l'habitude sur les versions démo bien sûr. Alors, donc là j'ai mon personnage, ok, je bouge comme ceci, la caméra, voilà, je vous fais vomir un petit coup. Ok, là j'ai l'esquive. Oui, j'ai un système d'endurance, et là donc j'attaque, et là j'ai l'attaque lourde, là j'ai la parade, mais bon, là c'est une arbalète dans sa main. Ok, j'ai compris, sachant que là, ah je morphe, d'accord, je deviens un autre personnage. Donc Olivia Heinz est un lanceur de sorts, ok. D'accord, et là Agaros of Meriva, d'accord, est un combattant lourd. Ok. Et là, paf, je switch pendant qu'il se recharge en endurance, c'est ça. Et du coup, Anna Lepu. Oui. Des petites attaques. Donc les morphes, merci, je viens de le tester moi-même. Très efficace. Voilà, ça règle la question. Finalement, pourquoi s'embêter à aller prendre des risques? On a l'air d'être dans clairement dans un Souls-like. Hein.
Mince, il voulait pas. Il s'est trompé de touche. Il y a un intérêt à détruire tout ça ou... On explique la vie, l'endurance. Donc là, j'ai la vie de trois personnages. Ok. On va essayer un peu le combat au corps à corps. Ça c'est quoi? Level up. Ok, c'est l'équivalent d'un feu de camp. Et une barre de synchronisation en bas. Donc là j'imagine j'ai fait réapparaître les ennemis. Oula! Ok, c'est un level up. Ah oui, ça c'est les classes. Enfin, c'est les personnages. Oui, ça a l'air d'être la voleuse, la sorcière. D'accord, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnages au total dans le jeu, a priori. Sachant que je peux level up. Donc je peux améliorer des personnages en particulier. Par exemple, si je mets un point là. Voilà, là j'ai appris 3 sur 3. Donc j'ai amélioré celui-là. Confirme level up. Yes. Upgrade item. Ok, donc il y aura des objets à améliorer, les artefacts et les anneaux. Essence ce talent. D'accord, donc... Ah oui, on pourra débloquer des talents pour chaque personnage. Et là, on pourra mettre les essences qu'on veut, donc les personnages qu'on veut, ok. Et là, j'ai mon équipement. Alors, deux anneaux, deux catalystes, clés, artefacts, ok. Ok, il comprend. Des backstab, oui. C'est un classique. Ah oui, on n'a pas répondu à la question, est-ce qu'ils sont réapparus? Oui, ils sont réapparus, ok. On y va discrètement. Et le backstab. Ah oui, double backstab, ok. Enfin, backstab front stab. Pourquoi s'embêter au bout d'un moment? Il passait dessous. On n'essayerait pas la magicienne. Hop, et remonte. Il monte l'échelle ou il monte pas l'échelle? Il a pas l'air d'être venu. Hop, mince, trompé de touche. Voilà. Oui, et j'ai perdu de la vie, du coup mon endurance ne se recharge que jusqu'à ma vie max. Des objets consommables, oui, ok. Oui, j'ai le réflexe, hein. Maintenant j'ai jamais confiance dans un escalier ou un coin de mur. Oh là, c'était lent. Oh, c'était lent. Oh, j'étais pas prêt. C'était beaucoup trop lent comme attaque. Je m'attendais à plus rapide. Ah oui, du coup on va essayer la magicienne. Et j'ai une barre de synchro au max. Oh, c'était raté ça. Oh, c'était... Ouf. T'as pas un truc à bonne distance...
Mais non, ça c'est que du. Que du corps à corps. D'accord. Ouais, finalement, ça reste elle, hein, mon meilleur personnage. Ah oui, et du coup, avec Claude, j'ai lancé arme enflammée, et du coup, là, j'ai une arme enflammée. D'accord. Il a pas confiance. Ça fait quoi la barre de synchronisation au max? C'est une porte, ça, ça s'ouvre pas. Bon. J'aimerais quand même bien essayer de jouer la magicienne. Équipement. On a un anneau. Plus 15% Morph Strike, ok. Et ça, ça fait un switch rapide. Ah, d'accord. On peut sprinter, mais bon, pas dans une maison. On voit pas grand chose non plus. Quand vous faites des dommages, tous les personnages inactifs sont soignés. Ah. D'accord. Bon à savoir. Et il n'y a plus de flèches. Ah mince, j'avais pas vu. Oui, c'est en haut à gauche. Il n'y a plus de flèches. Oui, enfin, il m'énerve lui là. Waouh, il a beaucoup trop d'H. Ok, bon, ça continue par là. Et ça avait l'air de continuer de l'autre côté aussi. Et là, ça, je brûle. Peut-être que je change de. Ah non, du coup, c'est. Ah mais le feu est passé sur... D'accord, le debuff est passé sur... Passé sur un autre personnage. Ok, assez intéressant à savoir du coup. Donc là c'était laquelle pour enflammer mon arme, c'était ça je crois. Ouais voilà. Toi, t'es qui? Absorbe. On récupère un nouveau personnage. I am Theron of House Guillaumin, and I shall be known as Crusader of Death. Effectivement, donc on a un nouveau personnage. Ah, j'imagine qu'on a une sorte de petit tuto du personnage. Donc toi t'attaques à l'épée, t'attaques à... ok, et là t'as un bouclier. Voilà, c'est déjà beaucoup plus le genre de personnage que j'aime jouer. Ça me fait peur. My apologies, young lord, but your father made it very... I was to be a lord, with a title and a fief, with vassals beneath me and a liege above. There's nothing to fear, my lord. It is not the first time that I caught young Theron. But Goddess Death had other plans for me. Donc on a un peu l'histoire du personnage, quoi. Ah. Riposte. Ok. Oh, c'était raté ça.
Ok, lui il peut faire des ripostes. Ok, on a quand même eu l'entraînement du personnage. Our lives do not belong to us, nor to any worldly power. I made mine an instrument of death. Et là, j'imagine. Goddess Death will call my essence back to her. On va retourner au monde des vivants. Do you accept death? Son. My son, please. Please. Do you accept death? With all my essence. Super l'ambiance. Do you accept death? You insolent brat! You bastard son of a whore! Traitor! Traitor! Il a cramé sa famille. I look forward to my death. Et donc, nouveau personnage jouable, j'imagine ? Effectivement. J'ai activé un nouveau pylône. Je sentais bien l'ennemi caché derrière la porte. Hein. Donc là, je peux level up un nouveau personnage. Ah bah en haut, voilà. Vous voyez rien avec la caméra, c'est dommage. On tire dessus, non ? Oui. Est-ce que je pensais... Ok. Vous êtes switché de perso. Donc là, il est censé se faire soigner avec les dégâts que je vais faire. Ami ou ennemi, vous ? Mince, trompé de touche. Greetings, fellow Deathian. Any news from our commanders? We have been tasked with holding this ground. And, quite frankly, things couldn't be worse. Nevertheless, orders are orders. Ok, va falloir répondre à une question, hein. Deception! Judgment has come for you, infidel. Ah d'accord, ils étaient amicaux? Pourquoi ils sont devenus des amicaux quand j'ai switché? Pourquoi? Je voulais voir si je pouvais les tabasser de toute façon, mais... A priori, le switch, ils ont pas aimé, hein. J'ai aucune idée d'où je dois aller.
Morph Strike. Powerful type of morphing. D'accord, a priori ça me permet de frapper tout en switchant. Je vais aller voir de l'autre côté, moi, si j'y suis. Ah bah, a priori, on va pas avoir le choix que de passer par le gros. Je peux pas ouvrir, je peux rien faire. Bon bah, on va aller faire le gros. C'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Ok, j'ai à peu près compris le principe. Vas-y, attaque. Oh, c'était raté. Vas-y, attaque. Oh, c'était raté. Oh, les mauvais timings. J'avais pas du tout les timings, c'est dommage. Et, j'ai pas encore ce principe de moins on a de vie, moins on a d'endurance. Alors là, c'était foiré, ça. Pas mal de consommables. Essence conflict and synergie. Essence avec des idéaux opposés, adjacents. Créer des conflits, indiqué par une ligne orange. Ah oui. D'accord. Et s'ils ont les mêmes idéaux, c'est bleu. Les conflits donnent un unique buff et des buffs. Les synergies donnent un buff. Ok, donc il faut faire attention au placement de nos machins. Tu feras gaffe, t'as un javelot dans le... dans le corps. Donc, et oui. Et là, on a plus 15% de critique, mais moins 10% de stamina, parce que, a priori, c'est pas l'amour fou. Damne. Alors, a priori, lui. Alors si on fait ça, oui. On a réactivé plein de bonus. Mais on a toujours un malus. Et oui, eux deux sont en conflit. J'entends. Oui, donc les lignes bonus, c'est ça. C'est le grand cercle autour, j'ai l'impression. Et les lignes malus, c'est le pentagramme intérieur. Ok. Donc là, on a activé des bonus, quand même. C'est pas bon. Faut peut-être que je trouve le bon personnage. Bah zut alors.
Ah oui, mais ça a l'air d'être le seul chemin. Non ? Je peux pas passer. Ou bien ça a fait quelque chose et j'ai pas noté. J'aime bien lui. Et les objets, ça me coûterait de l'XP de les améliorer. Puisqu'un Smurf Strike, every 1% de vie manquante, ok. Et quel dommage, Résus. Ah! Ah oui, non, ça me coûte les composants à gauche. Et soit je fais du Mystic Upgrade, soit de l'ancien upgrade pour améliorer les bonus. D'accord, les bonus spécifiques. Ok, ici j'ai pas de MP. Oui, donc ça c'est des trucs à trouver. Là ça fait quoi? Morph Strike. Ça. Ok. Oh là, c'est courte range ton marteau. Oui, voilà, un petit coup de bouclier. Ah, ça a continué là. Ah, le gros est revenu. Le gros n'était qu'un ennemi basique. On peut pas toucher ça. Ah, on peut ouvrir certaines portes du coup. Quelqu'un, un nouveau personnage. Je t'ai vu. C'est raté. C'est raté. Mauvais dans le contre. Voilà, c'était raté ça. Voilà, c'était un. Voilà, ouais, j'ai pas le timing. Hein. Zut. Je suis juste bourré au bout d'un moment. Ah, on est presque mort. J'imagine que je pourrais tomber en bas. Oh, il y a un objet là. Un objet là. On peut faire des morph dodge. Il faut vraiment jouer sur le Ah bonjour. Il faut vraiment jouer sur le morphing à tout va. It's lock. Ok, je vois où on est et ça c'est du coup je peux débloquer un petit raccourci. Ok. Il y avait un autre chemin derrière. Il était pas encore tout à fait mort. Ah bah j'étais en face là.
trouver une clé. Et je peux ouvrir que les portes où il y a un truc vert, j'ai l'impression. Je veux juste passer, merci. Alors ben c'est ça. Donc un nouveau personnage. Yulia Chevlaskia. Oh, oh, j'aime bien. Ah oui, sa rêverie n'est pas disponible dans la démo. D'accord. Et du coup, elle a remplacé. Je peux switcher les machins là, là ? Non, il faut que j'ai un repos. Eh ben on a ouvert la porte. Ah. Le jeu n'a pas envie. Bon, bah tant pis. What do you? Non, je me trompe de touche pour faire l'esquive. J'ai pas encore bien le switch de personnage. On le sentait bien que derrière la porte il y en aurait un à un moment. Mais non, mais cible-moi l'autre là. Ciblage fait un peu ce qu'il veut. Hop, des petits gauche droite. Bien joué. Bizarre que à des moments je le touche pas alors que mon coup a l'air de porter quand même, c'est étrange. C'est très étrange. Un ascenseur. Ah. C'est peut-être ça le bouton qu'on avait en bas. Voilà, et on savait pas ce que ça faisait. C'était l'ascenseur et on savait pas que c'était fermé. Ok. Ouais, on va bind les essences là parce que toi je t'aime bien, mais t'es en conflit. En conflit avec la sorcière. En même temps, la sorcière, je l'aime pas des masses. Donc on va mettre. Oui comme ceci. Et là, je vais remettre lui. Donc là, je mets la sorcière. La sorcière qui est en conflit. Attendez, il y a des conflits, il y a des conflits. Et si j'échange les deux là ? J'annule les deux conflits. Voilà ! Là et là, non. Ok.
Et donc on a la nouvelle qui est où? Qui est là? Qui est là? Ça me coûte combien de level up? Non, j'ai plus assez. Ok. Ah mais du coup comme j'ai changé les places, oh là là, je me mélange dans les bons switches. Oh là là. Je commençais à peine à prendre des réflexes de tel personnage, il est sur telle touche et j'ai tout changé. Quel enfer. Raté. Raté. Voilà. Alors, de continuer par là. Aïe. Où? Ah, là-haut. Ouais, je l'avais pas, lui. Bon, c'est généreux en termes de consommables. Hein. J'en utilise pas un, mais c'est très généreux. Ils ont l'air de se parler à l'intérieur des corps. Ah lui il est en train de perdre de la vie, pourquoi? Oh oui, ouais bah c'est bien en haut sinon hein. Il est pas l'air très très coopératif celui-là. Ah il y a un truc là au milieu. Ah bonjour. Je pense qu'il va falloir le battre, hein, le truc en bas là. Ou on peut se barrer. On peut carrément se barrer. Ah non, c'était pour un... Donc si on peut se laisser tomber là... Ah bah de toute façon je peux plus revenir déjà. Je suis tombé un petit rebord, je peux plus revenir. Je sais pas. Je sais pas où je vais. J'avoue que c'est assez approximatif. Ah, on est sur le pont. Bon, ça m'a pas l'air solide, ça. Et c'est encore passé à travers son... Oh, il y a un petit problème de hitbox, hein. Ça y est, il a compris. Il a compris pour le bon switch. Je me suis baissé au bon moment. Oh mais quel enfer! Vous êtes beaucoup trop dans ces habitations. Les tirs, hein. Ok. Un peu labyrinthique. Hop. Bonjour. Bonjour, bonjour monsieur. Et ouais, on est au-dessus de où on se baladait, mais je suis pas bien sûr.
Mince, trompé de touche. Une échelle et un ascenseur. Bonjour. La caméra. Ok, je commence à l'avoir le switch d'attaque. C'était juste un bâtiment, donc c'est pas par là. C'est pas par là, on avait un ascenseur là. Ah, et de toute façon, il n'y a pas l'air d'y avoir de choix. On va prendre l'ascenseur. Bon, on n'est pas venu, il y a plein d'objets par terre. Oh, ça pue là-bas devant. Ouais, je suis bloqué dans je sais pas quoi. Ah, j'avais un élément de décor qui me bloquait. Ah, je me fais juste enchaîner. Je peux rien faire. Ah, c'est à l'enfer. Allez, on bourre. Là, ça va bien finir par passer. À l'enfer. Ok, il y a une porte là-haut. Enfin, ce qui ressemble à une porte. Ah, un nouvel anneau. Okay. Je voulais vérifier, ça ne soigne que le personnage en cours. Donc là, j'ai mis une porte. Ok, j'ai ouvert, j'imagine, un raccourci. Je me repère pas bien. C'est tout se ressemble énormément. J'ai pas bien de point de repère là, on va pas se le cacher. Ah si, je vois, là on est de l'autre côté de la barricade, je vois. Je vois où on est, par contre je suis pas frais. Je suis vraiment pas frais et j'ai un peu peur qu'on finisse par tomber sur un boss et ça me paraît pas mal là devant. Non ? Voilà, on les connaît à force. Les trucs qui ressemblent à des arènes de boss. Ok, mes autres machins sont morts. Donc ça va être... peut-être bien. J'aurais peut-être dû lire ce que j'avais comme consommable. Hein, Ah, ça baisse la vie des autres de d'avoir pris ça. J'aurais carrément dû lire mes consommables. Raté. Par contre, je sais pas ce qu'il attaque, hein.
Pour l'instant, on est bon. J'ai pris un revers, je crois. P2. Et il est aveugle, c'est pour ça qu'il attaque dans le vide. D'accord. Il se repère au son. Sa vision est basée sur le mouvement. On s'en sort. C'était raté ça. Oh c'était foiré tout ça. Oh le revers. On s'en sort. Ça passe. P3. Il va enlever son bandeau. Ah, du coup, il va me voir maintenant. Il a pas l'air content. Aïe! Ça y est, il me voit mieux. C'est bon, il me voit. Oh, ça pue, ça. What the do? What's that? Voilà. Ah, c'était l'échauffement jusqu'à maintenant. Esquive. Esquive. Hop là! Oh, c'était raté. Il va attaquer. Non, il fait de la magie. Oh! What the do? Ah oui, ça prend un peu de la vie de tout le monde pour lui remettre. Il est en train de switcher. J'ai des pouces. Oh là là, il est 10 fois plus énervé. Ah, non. Ah, quand on en a un qui meurt, on est mort. D'accord. C'est bon à savoir. Ok. Et du coup, j'ai perdu toutes mes âmes, tout mon XP. J'ai pas la moindre idée d'où je suis. Si là l'ascenseur me dit quelque chose, mais alors je saurais pas retourner au boss là. Hein, quel enfer. Et du coup il y a plein de... Oui, il y a plein de consommables. Ah oui, l'essence active gagne 80 de vie, les autres en perdent 40, d'accord. Et là j'avais des trucs pour gagner de l'XP. Melee power, spell power. Ok. Tac. Bon, écoutez, je vais pas me retaper tout le boss, tout le chemin jusqu'au boss parce que déjà je ne sais plus où il est, donc faudrait rechercher. Ça serait un peu de temps encore à passer. On a vu ce qu'il en était. On a vu un combat de boss d'ailleurs avec une P3 très énervée. Hein. Effectivement, c'était plus simple quand il était aveugle.
Que dire un petit peu de tout ça? Je suis mitigé sur ce que j'en pense. Non pas que j'ai pas aimé ce que je viens de faire là, hein, c'était plutôt sympa hein, comme petite expérience, mais il y a des ressentis à la manette qui, je sais pas, que je trouve pas très très bons. Des problèmes dans certaines hitbox également. Le principe de switch est pas mal à voir, j'ai envie de dire, dans la durée. Et en parlant de durée, je sais pas, j'ai un petit bémol aussi là-dessus. Alors je sais pas si tout est accessible dans la démo ou s'il y a d'autres choses à débloquer, mais... hop, je... Ah. Bah oui, dans le level up. Voilà, j'espère qu'il y a plus. Parce que finalement, il y a très peu de points à mettre, très peu de choix à faire. A priori, il n'y a que 7 âmes. Je pense qu'on est dans un jeu qui n'aura pas une durée de vie exceptionnellement longue. Après, c'est pas grave si l'aventure est réussie. Mais je sais pas, les ressentis étaient pas trop là, comme je l'ai dit, des petits soucis de hitbox. A voir, il y a encore 2-3 trucs à corriger. On est dans une version démo. Ça peut être corrigé d'ici la sortie qui est prévue pour 2024. Pour l'instant, il n'y a pas plus de précision. Donc ça se trouve, ça sortira en fin d'année. Donc il leur reste encore presque un an de développement. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être très clairement améliorées. Il faudra en reparler lors de la sortie du jeu. Mais il y a du potentiel. Il y a clairement du potentiel. Le boss était sympa. À voir, du coup, on va dire, éventuellement d'autres boss également. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez apprécié la découverte, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.